Allez, on reprend presque immédiatement. Je n'ai pas bougé du tout. Alors, ça va être la dernière petite session pour aujourd'hui. On va s'arrêter maintenant. Enfin, là, c'est la dernière fois que j'enregistre. Après, et je reprendrai peut-être après, ou ensuite. Je pense que je vais reprendre demain. Non, je pense que je reprends ce soir. Oula. Là, je le sens, le combat de boss. Ça sent le combat de boss. Tu m'as battu. Mon trésor t'appartient. Prends ce que tu veux. Mais je ne veux pas. je me souviens pas qu'il y avait des choix dans Rayman. Je refuse. Je refuse. Alors si tu me dis qu'il fallait prendre le trésor pour avoir l'élixir. Je vais pas trouver un piège, tu as mérité ceci. C'est l'élixir de vie, garde-le précieusement. Si j'avais vu oui, qu'est-ce qui serait passé? Dites-moi. Aïe, aïe, aïe. Alors justement, je sais plus les fantômes de quoi c'est. Parce qu'en plus, c'est expliqué dans le jeu. À un moment. Et justement, avec un ami, on avait pas de théorie sur ça. On voulait... Je crois qu'il y avait une histoire un peu sur ça et voilà, mais bon. Hop. Alors, hop, on avance. Hop et là. Ouais, gaffe. Oui, je sais déjà. Allez, viens par ici. Non, non, non. Tac, tac. Tuer ces hommes-là. Raté. Too fast for you. Gotta go fast. Allez. Brosse sale bête. Oula. Hop, on esquive ça. Aïe, raté. Raté l'esquiveur. Excusez-moi, mais c'est quand même la meilleure monture qui ait jamais été créée dans un jeu vidéo. Un obus sur pattes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un obus sur pattes. Il y a quand même quelqu'un un jour qui s'est dit, un obus sur pattes, ce serait trop bien. On va voir que vous me direz, en gros, il y a les obus volants. Alors pourquoi pas un obus sur pattes? Allez, on va y arriver. Non, il m'en veut. Moi, je propose pas sauter de l'obus sur patte. Enfin, ça, de ce moment-là, et faire tout le reste à lui. Oula. Non. Oula. Allez, on se concentre un peu, puisque là, ça part un peu sur du n'importe quoi. Ce n'est pas bon. Je sais que j'ai dit que ça allait être la fin, mais quand même, il n'y a pas de raison pour que je ne rende pas ça bien. Oula, hop, hop, esquive. Aïe. Hop.
On va lui donner son élixir. Ah, évidemment, oui. Meurs, meurs, meurs. Comme dirait un certain faucheur dans Overwatch. Meurs, meurs, meurs. Ouh, j'ai mal au poignet, moi. Alors, bonjour, c'est bon. Tiens, Clara. Voici l'élixir. Clara. Merci. J'ai pas remarqué qu'il se plaît, Clara. Wow. Je pourrais casser plein d'autres pirates. Tac, mais repose-moi d'abord. Pas de mentir. On peut faire quelque chose avec notre ami là. Non. Que ça notre ami Clark. Tiens, bien con. Hop. Bonnet. Eh, viens par ici. Je vais te montrer le chemin. Ou alors tu vas plutôt mourir le chemin. Ah d'accord, il est ouvert ici. J'avoue. Oula. Clark, descends par ici. Alors attendez. Fait, je retourne en arrière et voir ce qu'il y avait. J'ai vu un petit portail. Alors est-ce que c'est pas une course? On va s'approcher sans jeter dedans. Parce que sinon j'avoue que je le sens plutôt mal. Alors qu'est-ce que c'est par ici? Là, de la vie. On ne crache pas sur la vie. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Non, je fais pas assez confiance. J'ai l'impression que c'est la fin du niveau, je n'aime pas ça. Moi je suis mon ami Clark qui a décidé de tout péter. Et ouais, Grand Theft Rayman. Hop. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il par ici? Alors attends, on va faire quoi que ce soit, toi. Ah, je vais pas te mentir. Ah, oui. Allez, viens. Ah, merde. Ah oui, c'est vrai que s'il s'arrête aussi, s'il perd trop de vitesse, il meurt. Et lui il peut monter des pentes comme ça. Aïe. Moi non. Alors par contre attendez. J'ai entendu qu'il faisait encore help. Mais non. Non. Encore un help. J'entends encore un help. Tout ça help. Est-ce que j'aurai sur le virage? Eh oui, je l'ai pris. Waouh. Wow. Ah,
Oh là ! Yeah ! Me llamo Remar. Ok. C'est pas grave. Et donc du coup on va commencer un peu le second level. La canopée. Ah, il y a Globox. C'est-à-dire qu'on va retrouver Globox normalement. Waouh. Là-bas, cette araignée. Alors attention. Hop. Étape par étape. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres araignées dans le coin. Parce que j'avoue que cette araignée là, elle nous a quand même bien marave la figure. Alors pour moi une canopée c'est un endroit assez sec et humide. Enfin, assez humide, je veux dire, pas sec, c'est l'inverse de humide. Fiche bête. Avec la flèche qui dit va par ici! Il n'y a pas de piège du tout. Oula, j'entends. Je boxe. Ça, c'est Globox. Oui, je le vois là-haut. Regardez! Alors, à quoi ressemble la femme de Gou? Ne dites pas qu'il va réapparaître le pirate, si vous voulez. C'est bon. Ici est enfermé l'ennemi public numéro 2. Il faisait rouiller de braves pirates en invoquant la pluie. Ah donc il y a quand même des pouvoirs magiques le boss. Et il est pas aussi con qu'il paraît dans le 3. Ce que vous verrez dans le 3 quand je le ferai, c'est que Globox est plutôt un imbécile. Et vraiment. Allez, on va le libérer en faisant un petit sourire. Hop. Yeah! Le meilleur, c'est Rayman! Il y a quoi pas derrière? Allez, descendons par ici. Trop bien! Non! Box, tu peux faire pousser des plantes.
c'est un druide le Bob en fait. Bon, par contre, si vous pouvez faire ça de façon moins ridicule, j'en voudrais. Ah, le box, donne-moi la main. Globox a une utilité en tout cas dans ce Rayman là. Ouais, Globox là, tu vois pas qu'il y a un feu. Bon, par contre, si ça pouvait être évité, si ça pouvait éviter être aussi chiant que ça, à chaque fois, je ne dirais pas non. Allez, rater, oui, touché. Les vaisseaux et les pirates sont vraiment dans Globox, oubliez ça. Non, mais c'est sérieux, Globox. Ok. Globox, où est la touche B, pardon. D'accord, il y a pas ces trucs pour moi. C'est quand même génial, ça. Alors pourquoi Globox a peur d'un coup comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, je me rappelle de ça. Tir chargé. Attention. Un temps de charge. Allez. J'ai raté une marche. Bon, je fais un peu trop ça ici. Beaucoup que j'ai raté une marche, mais bon. Je pense que je peux faire chose. Allez, le problème c'est qu'en fait, là, je vais pas avancer. Essayer de le coup charger contre un pirate. Ouais, c'est un bon paquet de vie. Allez, Globox, tu peux venir. Globox ? Box. Oui, tu me bloques le box. Le box qui arrive en mode gros lourd derrière. Eh hey, vas-y, tu fais ta danse d'appui. Rien par contre, Rayman 3 Vive. Rayman 3 Vive, mon préféré des Rayman.
Et ce qui est bien en plus dans Stray Mana, c'est qu'il n'y a pas le côté collection qu'il y a dans, dans Stray Mana. Pour ceux qui n'aiment pas le, ce côté-là. Bon, après, il me dérange pas plus que ça. Oula. Je sais pas pourquoi, mais ça, ça fait penser à quelque chose. Allons le chercher. Sont heureux. On entend claquer d'ici. Eh, viens, Globox. Ah, attendez, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Viens voir en fait ce que ça veut dire. Viens, Globox. Viens, la plante. Ah, bah, il est sûr. La discrétion. Identification. Merde, alors, on a plein de buissons à croire au nez. Porte désactivée. Non, pardon, ça c'est. Et Globox derrière, je comprends. Je veux pas venir avec toi, ma belle, j'ai oublié de mettre des à boire. Ah, donc il a bel et bien une femme. Bel et bien une femme qui la connaît. Oh là là, oh, enlume ce preux, quel dommage. Oui. C'est dans quoi, c'est dans quoi? Allez, on va à la belle des baleines. Et on va faire un peu le début, mais c'est bientôt la fin là de. Des dégâts. Oui. Et maintenant. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Du coup, il y a. Ah. Ok, peut-être que l'autre aquarium nous permet. Ah, on était sûr. J'en étais sûr. Faire ça je pense et après on va se laisser. Alors, la vie bien sûr. Alors là par contre on commence à manquer d'air. Ah.
exemple quand j'ai réussi à rater tous les trucs derrière la colonne. Et c'est eux qui sont aimantés. Allez, hop. Ok, peut-être pas dans ce sens là. Peut-être plus comme ça. Hey, c'était pas prévu ça. Hey. C'est encore les poissons. Les poissons qui attaquent. Aïe. Hop, esquive. Sans regarder en plus, regardez. Même pas mon écran. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce qu'il y a en bas? On s'occupe de lui et on va couper la vidéo. C'est bizarrement, je sens doucement. Détruire la porte là-bas. Tu te remarques, mais on va pas finir, on va essayer de finir le niveau. Vous savez quoi? Raté. Ah. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-haut. Donc on va essayer. C'est finir ce niveau. Voilà. Herman, Carmel la banane est enfermée. Les pirates veulent lui prendre sa graisse pour lui les moteurs de leur vaisseau de prison. Va vite libérer avant qu'il ne se fasse. Carmel la banane, non, mon amour de toujours. Bah vous savez quoi? Pour sauver Carmel. D'accord. Bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vais couper le live aussi. Donc je vous dis à tout le monde. Salut !